je pense que si. Moi, mon avis, Cusa, je pense là. Cusa, si hier, au lieu de dormir pendant les pauses, t'avais fait un peu de pex, voilà, on en serait pas là quoi. Oh, les mots sont. Cusa, au lieu de faire des siestes hier, si t'avais pris de l'expérience alors que t'étais déco, bah au moins, voilà, tu vois. T'aurais pas de retard, tu vois. Si t'avais pas voulu être opti en raid, que de toute façon tu vas pas faire et que t'avais fait un troll. Bah voilà quoi. Il achètera les pages à l'hôtel de vente, il aura sa question de gueule. Oui, j'avoue, les vertes collines de Stranglerance. Ah, c'est dégueulasse ça. Mais non, ça va être super bien. Mais c'est la quête que t'as envie de faire, tu la vois la première fois, tu te dis, allez, c'est sûr que je tente. Et tu te retrouves dans ta banque, level 60, avec 15 pages, donc tu sais plus quoi foutre. Parce que obviously, t'as jamais fait cette quête. Oh de merde. La poule, j'ai pas de mana. Lapis retrouve en raid Molten Core avec 15 pages Stranglerance. Très. Oui, en mode on sait jamais. Ça serait trop simple dans ces sacs. Les potes, on sait jamais. Attends, à quel moment on est en raid Molten Core? C'est vrai, non, mais sur les serveurs FR. Ah. Dans 3 mois. Tu sais que vraiment les sacs de la pille. Hein. Moi, si je vois ça avant de dormir, c'est mort, je peux pas. Hein. C'est instantanément cauchemar. Instantanément. Déjà. C'est ça. Mais attends, ça va, t'es mid-life là, il peut DPS. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'es à 30%. T'es juste full life en fait là. Mon addon il fait pili. Mec, peut-être que Cusa, tu sais, il a que les 30% des barres de vie. Et en fait, il heal qu'à partir de. Un bon healer est un healer qui sait quand il doit heal. Sachez-le. J'ai vu ça, gros. C'est pour ça que je suis mort plein de fois, hein, je vous le dis. Y'a pas besoin de heal quand quelqu'un est à 50% qu'il ne va pas mourir. T'as 7500 éclairs de gif, c'est tellement bien. Pourquoi faire ça si le pex n'est pas plus rapide que les quêtes? Bah c'est vrai, je sais pas. Pourquoi on fait pas des quêtes, les gars? Go faire des quêtes, non? Mais putain, mais lui vraiment! Ouais, tous! Pire mec! J'ai vomi! Tu as autant d'éclairs de gif lancés que je suis placé dans la file d'attente de Sulfuron. Oh yes! Bah super! Bah tu mériterais de passer premier du coup. Alors fais gaffe parce que moi mes éclairs de gif ça augmente par contre, hein. Donc si ta file d'attente c'est pareil, il faut vraiment changer quoi. Faut changer de serve. Quoi cette quête? C'est utile ça? Vous avez le téléporteur de Meragan depuis chez les ingénieurs de Grimard au Gnome Meragan sur le last boss sur le meilleur HD. Faut articuler hein! Mais je parlais dans ma tête! Ah! Pardon, je croyais que tu me parlais. Non, mais je lisais juste, vous allez. On en a parlé tout à l'heure du téléporteur, non? Clippez-moi cette phrase tout de suite. Par contre, bon, genre, on parle comme ça, il faut pas me faire de. C'est pour ça que je Non, mais oui, je sais qu'il y a ce téléporteur. Juste trop, mais c'était dans ma tête, je veux pas. Pardon. Ça va gros? Putain mais quelle vie, j'ai plus de mana quoi. Genre c'est la phrase qu'on aura le plus entendu genre. Non c'est Temu Juice par contre, la phrase qu'on a le plus entendu. Ah oui pardon, la deuxième phrase du coup la plus. Par contre juste lui tu vois. Pardon. Voilà. Waouh. Moi qui ça? Par contre what the fuck. Excusez-moi, j'héberge une truie. Excusez-moi. Mais c'est pas moi qui ai fait ça. Putain mais c'est vrai que le combien de son truie. C'est pas toi. Truie comme ça là-bas. Tu le fais bien dis donc. Ah l'expérience. Tu t'entraînes non? Chez toi pour le faire? Fut un temps, oui mais maintenant je suis expert. Entendu, j'ai entendu faire. Plus besoin d'entraînement maintenant. Par contre j'ai une question, mais vous voulez toujours faire des poules comme ça dans l'instance là maintenant? Bah ouais. Parce que du coup je change de build en fait si je dois jouer comme ça. Ça coûte rien en plus une. Ça une coûte rien. Ouais, c'est juste que là on est 27 quand ils sont 25 et tout. Respect ça coûte que dalle respect. Ça dépend. Non mais tu payes une première fois elle est tranquille non c'est ça? Ouais, tranquille. Ça coûte rien du tout. Ouais c'est 15 plus haut. C'est la première qui est tranquille non? Non, tout c'est début de venir, c'est pas de première, c'est pas. La première respect c'est 1 PO, après c'est toi qui vois. Et la deuxième, c'est ça la vraie question. Après, c'est 5. C'est 50.
Non, c'est 1, c'est genre 1, 5, 10, 25, 50 et ça reste à 50, un truc comme ça. Ouais, ça ne déstacle pas. Moi je vais poule parce que vous êtes chaud. Ouais, on court, hein. Ouais, je suis là. Ça va faire mal, hein. Oh oui, voilà, le CS est passé, j'arrive. Go! Ça va faire mal. Et. Ça va faire très mal. Ouais. Nova! Au revoir! Oh mais poison putain de merde! Ouais, je sais! Ah bah le Nova! Les mécartes! Le Nova, les amis! Oh, putain, il se met à parler italien, merde! On est foutus! Ça veut dire qu'on est vraiment foutus! C'est la merde! Alors, les mécartes, c'est italien ça? A l'aide! Ah mais what the fuck! Je pense que les pastavox c'est italien donc bon! Ouais, c'est vrai que la pie. Je sais pas, vu que j'ai rien compris, je me suis dit c'est italien! A l'aide! Elle me tape pas, Dieu, s'il te plaît, je suis fatigué! Ah, bon, je crois derrière là, crâne et croix! A l'aide? Il me tape pas! Y'a Olo qui est en train de mourir! Crâne et croix! Et moi aussi je vais die en fait! A l'aide! S'il te plaît, on va tous mourir de toute façon, l'autre il est pas! Donc, Comment il t'a dit le. Ça y est, il faut forcément que ça retombe sur moi! Hein. On va retourner dans ses travers, hein, ça y est! De toute façon, c'est de la phobie! Y'a mes cartes, c'est italien! A l'aide! C'est le joueur qui fait que ça paraît long ou je comprends pas? Vous vous rendez pas compte. Non, mais là, niveau 30 ici, vous vous rendez pas compte. Bah, si, on a pas le choix. Ah, vous vous rendez pas compte. Mais tu veux qu'on se rende compte d'où alors? Non, mais tu prends pas compte. Il est trop chiant. On a compris, mais tu vas aller. Non, mais c'est tellement mignon qu'on voit juste. Mais comment tu veux qu'on se rende compte alors du coup? Mais pourquoi tu prends un accent italien quand tu me rappelles? C'est incroyable. J'ai pas pris d'accent italien. Ouais, il m'aurait déjà insulté depuis longtemps, hein, Ono, t'as de la chance. Oh là là, bien sûr, pas d'accent italien du tout. Oh. Mais zéro, il y avait un accent. Je te jure, t'as pris un accent chelou, non? Non, mais en fait, je crois qu'il a fait. Du rush, il vient, il fait d'une pierre deux coups, il tue trois mecs d'un coup. C'est juste le tuer en fait. Je crois qu'il a fait genre mi-accent du sud, mi-italien. Bouge pas par contre. C'est vrai que c'est important, surtout dans classique, parce que classique c'est quand même avant tout. C'est avant tout une expérience, une. Ouais, pour communauté, c'est. Et bon, bah ouais. Une sanglier. Une expérience qu'on ruine d'ailleurs, hein, je tiens à dire. Qu'on est en train de détruire à gros coups de marteau dans la gueule. Bon, je peux vous dire que le mage que je jouais à Vanilla, là, s'il voit ça. Il meurt. Il est sous-tombion. Il meurt. Il s'allonge et il est en train de. Regardez-le, tout le monde est en train de courir. Il est en train de courir. Ouais, en fait, il reste un limon derrière. Je vais faire des allers-retours. Et tout le monde qui avance qui voit pas qu'il est derrière. Oh, par contre, la prochaine fois que tu dis tout le monde, moi je te mets un coup de hache. Oh, une belle baguette. Non, je l'attendais, moi. Comment ça, une belle baguette? De la merde, putain. Sous l'ex, mais... c'est pas une c'est... baguette, bordel! C'est une dague pour la pie, ça! Ah oui, j'avoue, le skin! Twin pour Juice! Regarde la pie, le skin! Oh, la pie, c'est pas ta dague, ça? Oh yes! Génial! Non, mais par contre, vous foutez de ma gueule avec le skin, mais c'est vrai que ça avait pas un skin tout à l'heure! Arrête-toi! Oui, je m'arrête. Par contre, me dis pas comme ça, t'as l'air vraiment méga vénère! Pardon. Ouais, c'est clair! Ouais, j'avoue que. Arrête-toi! Personnellement, je me suis même arrêté IRL, tu vois ce que je veux dire. Il va me retirer des points de mon permis. Arrêtez-vous sur le bas-côté. Oh putain. Oh non. Shutdown in 15 minutes. T'es intéressé, non? Y'a vraiment un mec qui vient d'écrire sur mon chat. Vent baguette level 5, 5 PA sur sulfuron, cœur. Tu t'es cru sur le chat commerce du serveur ou quoi là? Il est fou lui, hein. Il est malade, hein. Je vais réfléchir à ton acte 10 minutes. Il est vraiment fou, hein. Mais quand tu dis ça, tu l'as déjà banni, il doit attendre 10 minutes avant de t'entendre, ou... Non, je l'ai banni quand je l'ai dit, quoi. Ah. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que des fois, ça me fait rire, genre des fois, tu bannes des gens,
et tu dis cette phrase et je suis là en mode est-ce que le mec déco avant ou genre il a déco ça et du coup genre et je suis là en mode est-ce qu'il a enfin est-ce qu'il non, a un pas, temps il déco coup. Jamais tu sais on vit dans une époque il y a 2 secondes de délai c'est génial c'est trop stylé du coup en fait à chaque fois je me dis bah du coup il pourra jamais savoir quoi. Oh, ah tu sais j'apprends des choses tous les jours moi hein. Tu peux reset? Ah, à l'aide? Pourquoi tu veux reset? Au pire on fait c'est que des cochons de toute façon. Tu peux reset? Mais sinon ouais. Bah de 1 c'est toi le lead. C'est moi le lead. C'est reset. De 2 vu qu'on va de l'autre côté ils ok tu vois au pire. En train de me suivre. J'ai reset et je t'ai mis leader, bonne chance à tous. L'enfoiré. Tu viens de voir, ça y est. En plus il est là. C'est vraiment pour le plaisir de faire chier. Et ça le fait rire, putain. Ça, j'hallucine, tu sais quoi. Putain mais vraiment, vous êtes vraiment con. Il manque ça. C'est bon. Ouais. Je pouvais recours. Faut que tu répares, sors un mammouth. On fera ça. Ouais. Yes. Ça bonjour. Flasque même pas, les mecs. Vous vous rendez compte? Ça flasque même pas dans ce groupe. Tiens, à propos de flasque, il est où? Il est là. Hop. Oh, nice. Attends, je fasse de la. Oh, c'est bon, j'ai de la place. T'as toujours de la place pour ça. Ouais, il y a toujours un stud qui se libère d'un coup. On trouve, on trouve. Ah nice, toujours de la place pour ça. Ça te fait rire ça hein. Ça te fait marrer hein. Ça fait rire. De trade des merdes là hein. Ça te fait marrer ça hein. Putain. Ah moi je le gâte en plus. Et lui il me traite des pastèques. Toute la journée il m'a traité des pastèques. Et moi aussi t'inquiète hein. C'est son truc favori. T'es mute par contre. Mais C'est mon truc. Oh putain. T'imagines la méthode, il switch sur le live, il doit me traîner une pastèque et j'accepte. Il traite tout le groupe. Et tu sais en plus avec la tête je fais ça en plus tu sais. Genre comme ça. Ah ouais. Genre yeah. Ok, I see, ok. Non mais y'avait des jeux comme ça qu'on se faisait, on se faisait passer ça dans tout le groupe, c'était toujours marrant ouais. And we can see Zerator from the French group training a watermelon to juice at the moment. Yeah, so this is a really try hard. On RFK. Ah mais d'ailleurs je vous ai pas raconté ça. Vous savez les dames et messieurs les viewers que Juice il a. Si je voulais peut-être raconter. Juice il a hésité à s'appeler sur le serveur anglais J-U-I-C-E, donc le jus en anglais, pour que les mecs prononcent Juice en raid, pour qu'ils prononcent bien son pseudo. C'est énorme. Parce que ça se prononce exactement pareil en anglais du coup, Juice, le jus. Et il s'est dit putain si je m'appelle Juice, ils m'appelleront Juice. Hey Juice. Alors que là ils vont dire hey Jayus. Ou je sais pas ce qu'ils vont dire. Je sais pas ce qu'ils vont dire mais ils vont galérer quoi. Et voilà je trouvais ça marrant. C'était pris. Du coup là, et Juice était pris donc voilà. C'est exco, hein. On va arriver en raid. Hey Geese. Ça va être énorme. Hey Gouis. C'est que s'il fait ça, je meurs sur place. Je meurs. Ça aura juste été worse, même si on se fait... Moi personnellement, je le mute quoi. je le mute quoi, enfin c'est il, sûr. Il écrira quoi. Ça. Il arrive et hello Gouis, je le mute instant. Il écrira ça dans le raid. Il écrira ça dans le slash raid. C'est blanc comme un papier A4. Ouais, c'est vrai. C'est moi vrai. Aussi, hein. En effet. C'est les spots. Hein. La pile est archi bronzée en vrai, vous savez pas. De ouf, hein. C'est juste les lumières, hein. C'est les lights. Hein. Je crois moi, je fais super blanc. Dans le dictionnaire, quand tu vas au mot bronzé, il y a une photo de la pile en fait. Et toi, ça te fait rigoler en fait, toi, hein. Putain, là, t'étais pas mute, hein. Là, t'étais pas mute. Ça m'énerve. Ah là t'étais pas mute il a dit. Nice.
Alors l'autre il fait du... Bon, hé hey. Ça va David Guetta là? C'est bon? Putain. Oh mon dieu. Vraiment, tu sais que quand il a fait, je me suis dit mais putain c'est trop bien quoi. Oh y'a un mec qui a écrit David Cusa, putain. 1, 2, 3. Merci. Merde. Bon vous êtes con. Alors c'est là, toi. Dis bonjour, comment tu vas? Excusez-moi, il y a un moment qui vient d'arriver à la maison. Si, tu sais que la dernière fois que t'es venu, on avait planté. Ouais. On s'est dit, faut pas qu'ils viennent, sinon on va replanter. Et on a pas planté. En fait, on s'est même dit que ça se trouve, tu faisais planter les serveurs pour annihiler la concurrence et que toi tu joues chez toi. Ils savent pas, je joue ça. C'est imaginable que ce qu'on fasse pas, MC. Et ils sont sur le Discord? Non, là je me suis mute au début, enfin, je me suis mute là pour l'instant. Mais ouais, tu veux leur dire un truc? Vas-y, tiens. Eh hey les gars, il faut me pexer là, il faut m'aider les gars, je suis un peu bloqué de, sur l'arène là, vous faites quoi là, la pile là? Eh, j'entends pas ton coach, la merde, tu fais quoi là, il faut se motiver là, prépare-toi là, il faut être dans les 50 là, grand. Bisous à nos musiques, Zah. Allez, salut. Bisous la bille. Bisous. C'est bon, vous pouvez me démute, c'est moi. Oh yes.